Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi, Christine? Marathon, coup du sprint, réduction des coups d'endurance pour le corps à corps. Bon pour les armes lourdes, d'accord. Ah, le tir, toi, t'as gagné un truc? Assaut. Recul considérablement réduit. Débloquer les armes? Ouais, pourquoi pas. Bon, et toi, t'as quoi comme mission là? Je comprends pas. Là-dessus, les missions? Christine. Ah oui. Oh bah oui, à côté du gros, tiens. Bah oui. Bah oui, bah bien sûr. Bon, en même temps, on est en facile, hein. Facile. Facile. J'ai plein de bouboules là que je viens de gagner. On va aller leur en foutre plein la tronche au gros. C'est quoi comme balle? Celle-là en plus. Oh oui, tu vas en prendre plein la tronche mon pote. Je vais même prendre un petit peu de surplus au cas où. Voilà. Allez, je vais aller te torcher la tronche, puis je vais aller faire la petite mission. Ça évitera de la perdre, puis y revenir plus tard. T'es chargé, toi, ou pas? Pas énorme, hein. Faut aller loin. Passe. Ah, ça passe mon cul, oui. Non, il a plus rien, en fait. Ah ouais, l'essence, vous êtes tous les deux morts. Hein. Je crois que j'en ai vidé des trucs d'essence. J'en ai qu'un? Ah bon? J'ai pas vidé de sac d'essence. Ah non, puisque j'avais dit que j'en avais pas assez. Je pourrais peut-être m'en faire un ou deux, en fait. Hein. Allez, ça le fera. Faut que je fasse le plein des deux véhicules. Ouais, en même temps. Pff. Ouais, allez, ça fera l'affaire. Ouais, notre gilet laisse dedans. De toute façon. Ouais, ça prend une place quand même. Hein. Je plains le sac de balles, puis je fais du triage. Quand j'en ai trop, ouais, bah ouais, c'est ce que je fais, mais je suis con, j'y pense pas. Je me dis, c'est pas grave si j'en perds, mais en fait, je pourrais vider des sacs. Pour accumuler des trucs de toutes sortes. Ça me perd rien comme ça, je gagne rien, je perds rien. Et puis je me fais plaisir. Ça serait moins bête que de laisser des ressources se perdre. J'ai pas forcément le déclic, mais après en progressant comme ça en solo, je découvre un peu plus les petites subtilités, je réfléchis un peu plus. Bon, on va se faire un premier mastodonte. Et peut-être même des premiers humains. On va voir. On va voir ça. Te lève pas, toi, c'est pas la peine. T'embête pas. Je m'en occupe, c'est pour moi. Te lève pas. Ah, un deuxième. Tiens, j'ai croisé ton pote là-bas. Je lui ai déjà dit ce qu'il fallait faire. Oh, mais ça passe. Ouais, un boursouf. Toi, t'es le premier. C'est bien du bruit, cette M4. Il est où, le gros? Il est là, le gros. Par contre, ça serait bien que t'arrêtes de ramer, hein.
Ouais, je peux pas l'enlever en automatique. Mais bien sûr, il m'a touché en éternuant. T'es en train de me tirer pour info. Mais tire-toi, espèce de grosse quiche! Mais c'est pas possible! Mais t'as toujours pas rechargé! Mais tu vas t'y reprendre à combien de fois? Putain! Pas possible d'être aussi con, bien sûr, il y a un sauvage avec! Vous êtes sûr que je suis en facile là, les gars? Je suis à peine à mon premier. Mais bien sûr, le mec il arrive à me rattraper! Ah oui, c'est le sauvage! Il y a encore un sauvage. C'est le même. Et merde. Je peux courir, va. Ouh, il était pas loin, lui. Ah bah et donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il est mort vite d'un coup là à la fin. Mais elle est pourrie cette M4 là, pourquoi j'ai pas de multi-tir? Depuis quand une M4 ça peut pas se mettre en coup par coup? Eh bah, tu m'étonnes que j'ai vidé toutes mes balles. Police! Alors, si vous voulez des armes, il faut les payer au prix du marché. Si vous profitez de personnes désespérées, faites-nous une proposition acceptable. Eh. Voilà, alors, profitez désespérés, faites-nous une proposition acceptable et on pourra faire affaire. J'ai meilleure offre, donnez-moi les armes et je vous laisse en vie. Time for you to go straight to hell. Shoot me? I saw this coming a mile away. Ouais, bah mes balles, ils les ont pas vu venir. Pâche. Ah, ils ont mangé sec, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que cette arme? Kodiak XL? Il y a un Kodiak X et un Kodiak dans SnowRunner. Non, je veux pas fermer, je veux fouiller. Je veux piller les cadavres. Oh, mais elle a une scar! Elle a une scar! Direct! Direct une scar! Allez! Fouille, espèce de grosse truie, va! Désolé. Bon, par contre, je vais la fouiller quand je pourrai. Voilà. Dépêche-toi. Voilà. Une scar directe. C'est bon ça. Épée d'extermination RTX. Je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser ça. La petite grenade, ouais, j'en ai plein, tant pis. Ouais, la scar directe. Scar tempête RTX. J'entends un peu des... J'entends des larmes de rage dans le coin là. Je sais pas, j'entends quelqu'un là. Je dois entendre des voix. J'en entends un qui est en train de dire mais putain, j'ai fait ça pendant des heures, j'en ai pas trouvé une.
Okay, time to put this place behind us. Bon, on va charger le 4x4. On va lui mettre les armes là parce que... Je sais même pas s'il y a des ressources ici. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Laissez-moi partir et je vous cède les armes à bon prix. Laisse tomber ce que vous avez et mettez les voiles. Tu as creusé ta tombe, il ne te reste plus qu'à t'y coucher. Oh oh oh, encore une arme. Ouais, une M4 à 1. Ouais, ouf. Ouais, ouf. Ouais, ouf. J'aurais dû te buter, j'aurais peut-être eu plus de choses, je sais pas. Not gonna fit. Ah ouais, bon bah le pétard, on s'en tape. Machette, katana, ouais. Les carreaux, on s'en tape. Pack de graines, j'en ai déjà. Pas plus savoir qu'en faire, un bandage, ça va me faire du bien. Bon, j'ai peut-être un petit couteau de combat là, qui sert à rien, on va prendre les trucs. Bombe canette, je suis déjà pété de grenades, ça va peut-être le faire. Surtout qu'en plus, il va falloir que je répare la SCAR et puis le fusil à pompe là. Bon, tu veux voir les armes que j'ai eues ou pas? Ah, faut que je les monte dans le coffre. Alors j'ai eu... Non, j'ai eu celle-là. Ah oh, putain. Un M4A1, bon, du classique. Mais surtout donc un Kodiak XL, durabilité max presque à fond, puissance à fond, précision 0. Oh, ça a l'air bon, tiens. Et un petit Tempête RTX, ouais, il a presque tout à fond déjà. Bon, pas la durabilité, mais calibre 60 balles. Wow. C'est pas celle que t'as sur ton perso ? Avec les deux bandes rouges, là, il me semble. Pas mal. Elle est pas mal. Et le fusil à pompe. Oh la vache, le fusil à pompe. C'est quoi ce pétoir? Ah, c'est peut-être celui que tu m'avais montré. C'est peut-être celui que tu m'avais montré, le fusil à pompe. Ah, mais il te tourne pas. C'est celui qu'on avait dit qu'il y avait un bug, peut-être. Vous croyez que c'est important à la poste, tu dis que l'avenir s'annonce plutôt bien. T'as rien, moi, que tu veux que je te dise. Bon, je vais surtout rentrer, moi, je pense. Aussi dingue, survivant en détresse. Je vais aller faire le survivant en détresse, des fois que ça apporte un allié. On n'est pas très nombreux pour l'instant. Oh la vache, je le sens moyen cette histoire. Sérieux toi? Oh. Oh. Allez mon petit, voilà. Police. Oh la vache. Oh, il a pas compris l'autre, hein. Il y en a d'autres. C'est bon. Oh, hi there. Mais non, bute-le, espèce de débile. Oh, thanks. Pas. Alors. Je pense qu'on aurait carrément notre place dans ton groupe. Un plaisir de vous voir, non merci. Thank you so much. Ah bah ils sont venus tous les deux, d'accord. Bon bah désolé mais on va d'abord fouiller hein. Not gonna fit. Du calibre 22, ouais on s'en passera. Pas très grave.
Un pull, on peut le prendre, ça prend pas de place. Il y a un truc dehors. Un sac d'essence, des pièces. Dernier container et puis on a fini. Ah par contre, oui, si j'ai bien fait, j'ai une... Ouh la vache, heureusement que j'ai pris le pick-up vu qu'on est trois. Hein. Elle a pris cher celle-là. Allez, on s'arrache. Heureusement que j'ai le pick-up, sinon je sais pas si on aurait pu les monter dedans. Ben voilà, on ramène deux survivants. Et le pompe, c'est celui que je te disais, il y a un recul de ouf. Oui, bon, c'est bien possible, hein, vu le tout petit fusil à pompe que c'est, le nombre de cartouches et tout. Ça sent la daube à plein nez, mais c'est sympa d'avoir des armes. Petites armes différentes, ça fait plaisir. Et si en plus t'as eu du mal à les avoir, c'est encore bénef, hein, c'est encore mieux. Hein. Le petit sel de pouvoir te montrer qu'en 2 minutes j'ai chopé les armes que t'as mis des heures et des heures à choper, mais c'est... C'est quoi ce pont là en face? Ah, il y a moyen de créer un avant-poste là-dedans? Il est ça? I used to love family barbecues, even though all my kids always complained about how bored they were. Hot dogs on the grill, swimming. Il est cet avant-poste? Il y a quoi dessus? Un lit abrité, un lit bivouac, un parking, un poste de garde ouest, un port de gaz est, un grand emplacement, un petit emplacement, un petit emplacement. C'est pas énorme après ce qu'il y a dedans. Pas très grand. C'est bon, je me gourre pas, non. Là, il y aurait de l'essence s'il fallait. Bon, bah c'est cool, je ramène des mecs, je ramène des armes, je ramène des ressources. Je ramène des balles, je ramène de tout. J'ai peut-être même presque arrêté là parce que j'ai plein de vidéos à mettre en ligne. Celle d'avant-hier, celle d'hier. Allez, venez, on rentre. Hop là, bienvenue dans notre truc. Bon, par contre, on n'a plus assez de lits, je pense. Mes armes, faut que je les répare. Réparer. Vous n'avez pas l'installation requise. Ah merde, il me faut un atelier pour réparer. D'accord, je croyais que vu que je répare à distance, j'en avais pas besoin. Ok. Mais t'as encore une mission? Mais tu m'emmerdes, toi! T'es même pas la chef! Pourquoi t'as plus de missions que la chef, cette fois? Qu'est-ce que tu veux? Personne inconnue à la porte. Quoi, elle? Always glad to see you. Later. You guys look like you know what you're doing. I respect... Alors, vous avez l'air de savoir ce que vous faites, je respecte ça. Welcome. I hope you don't totally hate it here. On est 7 maintenant. Oula. Oui, bah attends, je vais améliorer tout ça. Laisse-moi 2 secondes et oh. Minute. 4 lits. Et là. 2 lits plus 3 morales. Changer de personnage. Installer un générateur solaire, on s'en fout. Du coup, il me manque un lit. Ok. Et il me faut un atelier, moi.
Je peux pas améliorer les lits et il me faut un atelier. Ah. Ah. Fabriquer un carburant, du carburant, fournir toute la base en eau. Oui, c'est bien. Mais on a plus de lit et il me faut un atelier. Ouais la vache, effectivement, on a accueilli du monde là. Hein. Mais qu'est-ce que tu fous de... Ah non, t'es sûr, t'es pas dehors. Fais peur. Y a moyen de trouver une autre base ou pas? Ça c'est une enclave alliée. Il y avait le pont. 4 parkings, un grand emplacement. Une église sur la colline. Ça va être sympa niveau sécu. Conteneur fortifié. 2 grands emplacements, 5 petits emplacements. On va avoir 8 personnages, d'accord. L'église. 5, ok. Après j'ai pas forcément repéré tout. Tiens bah celui-là. 6, vous en avez 7. Atelier d'usinage, parking, énorme réserve de carburant, générateur de secours, more and more distribution. Ça pourrait être pas mal, surtout que j'ai tout fouillé le bas. Allez où Christine? Aucun traitement nécessaire, tu m'emmerdes. Bien, 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 bien. Est-ce que je dégage la commu avant d'arrêter? C'est quoi? C'est neutre, c'est pris, ok. Donc il y a l'église où il y a celui-là. 2 grands extérieurs. En comptant déjà les lits, 2 petits extérieurs, un petit intérieur. Énorme réserve de carburant. Générateur de secours. Eh ben, je vais peut-être aller y faire un tour, voir. Ok, d'accord. Il pouvait descendre sans laguer. Ça aurait été pas dégueulasse. Mon dieu. Et là, la petite baraque, elle commence à vite atteindre ses limites. Hein. Alors, on dirait que c'est vers l'espèce d'antenne là-bas. Ah, ça a l'air un peu mieux et tout ça. Il va y avoir un peu plus de place.
loud much? Still got zombies. Ouais, ça a l'air pas mal tout ça. Quasiment la place de la maison à l'intérieur. Mais bon sang, donne-toi un coup d'épée là. We could make a new base here with some work. Salut, Sumoki. Je pense qu'on va revendiquer cette cache. Il y a déjà l'atelier, il y a des emplacements de libre, il y a des lits. Allez, vas-y. On tente, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire, je suis déjà coincé dans ma base, donc... Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne cette base? Oh la vache, ah oui. Intéressant. Deux lits. Trois lits. Ok, il me faudrait une infirmerie, on a déjà l'atelier. Il faudrait peut-être un endroit pour bouffer. Pas encore ce que je fabrique. Il y a les lits, c'est ce que j'avais mis. Une caserne. Caserne, il y en a qui vont gueuler encore. Construire un entrepôt commercial. Petit emplacement, ok. Peut-être ici mettre une tour de guet. J'aime pas qu'est-ce que ça me coûte. Cher ou pas? 4 ressources. Oh, j'en ai de trop. J'en ai de trop, allez, vas-y. Vas-y, taxe, j'en ai de trop. Prends ce qu'il te faut. Prends ce qu'il te faut, mon pote, j'en ai de trop. Une cuisine, 4. Prends, 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 prends. Ça a amélioré. Prends, vas-y. On va mettre ça. On a d'autres. On a besoin d'une infirmerie quand même. Mettre l'infirmerie ici. J'avais dit, j'ai l'atelier, la cuisine, la réserve qu'il va peut-être falloir que j'améliore. Quand on maîtrise mieux le truc, quand même, ça se passe bien, hein. Je vais pas prendre la tête, je cherche la base la plus grande de la carte. Bah je pouvais pas la prendre la plus grande. Il me manquait une personne. Mais celle-là elle coûtait pas cher à côté. Hein. Quand je vois la base la plus grande, l'église je crois, après je sais pas si elles y sont toutes. 5 personnes. Et il y avait celle-là qui avait l'air d'être la plus grande, il me manquait une personne, elle coûtait super cher. 1000 de plus que celle que j'ai achetée. Et pas sûr qu'elle soit plus grande. Stockage anti-feu 3. Ah ouais, d'accord. Atelier 3. Ah ouais, c'était peut-être sympa. C'était peut-être sympa. Bon, écoute. J'ai à peine commencé la map, hein, j'ai l'impression. Je pourrais toujours changer après. Hein. Mais là, fallait vraiment que je change vite. Elle coûtait pas cher. Ça tombe très bien. Je pense que ça tombe très très bien. Mes avant-postes, ils sont où? Ouais, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Clac. 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 Qu'est-ce qu'elle veut, l'infirmerie, là? Ah oui, mais personne n'a besoin de traitement, donc qu'est-ce que tu m'emmerdes? Un lit, peste sanglante. Niveau 2, on va peut-être l'améliorer tout de suite. Hein. Ça sera fait. Cuisine. Connaissance cuisine. Ouais, je les ai peut-être. 3 lits. 3 lits, ça en fait 6. On va peut-être construire un autre truc. Un autre truc de lit. 4 lits. Caserne. Ça fera combien? Ça fait 3. 6, 10, ça suffira. Il me reste un emplacement. Atelier, je peux lui mettre quelque chose ou pas?
Électricité gratuite pour une installation, ça c'est intéressant avec le truc solaire. Ah, quand t'as un marchand en chef, il t'oblige à choisir ce que tu veux. Ah, anti-feu, c'est ça. D'accord, c'est ça l'anti-feu. Ok, d'accord. C'est quoi ça? C'est un générateur? Énergie dans toute la base pendant 46 minutes. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant quand même. Plus un avaposte. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas à dire, pouvoir en avoir 3, c'est quand même mieux. Bon, il y aura des lits pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a quelque chose qui leur va pas? Bon, bah t'es épuisé, qu'est-ce que je te dise? Pas de jardin, pas assez de lits. Les lits, ça arrive. Pas de jardin. Pas de jardin. C'est les Sims, les gars, là-dedans. Vous croyez où, là? Pas de jardin. Construire un jardin. Petit emplacement. Qu'est-ce que je peux faire sur un grand? Zone de rassemblement. Réduit à zéro les coûts d'entretien de l'installation. D'accord. Ça, c'est un petit emplacement. Construire un salon. Ah, mais ça va, les gars. En plein air. Appeler des commerçants. Influence gratuite. Appeler via la radio n'importe quelle personne avec laquelle vous désirez faire un échange. Ah, c'est pratique, ça. Pratique. Par contre, c'est un arsenal qu'il faudrait que je fasse. Ah bah, j'ai pas de chef de guerre, donc je pourrais pas. Et je ne pourrais pas. Faire une ferme. Une ferme et un jardin, c'est pareil ou pas? Nourriture par jour, je pense que c'est pareil, hein. Et minimum un jardin, je pense qu'ils veulent. Allez, va pour ça. Se reposer supprime les blessures. Ah, mais c'est super bien, ça. Super bien. Bon, le lit, ça arrive. Le jardin, ça arrive. Un avant-poste de plus, ça arrive. L'autre pour se reposer, ça arrive. Voilà, j'ai gagné un avant-poste. Qu'est-ce que vous vouliez? Bah, il y a toi. Qu'est-ce que t'as encore, là? Quoi, l'émission? Christine. C'est quoi, le VDS? Ah, bah, c'est la mission de quête, là. Ouais, non. Parce que si je te prends, tu vas galérer. Et combien j'ai de gonzesses là-dedans? Mais y'a qu'un mec. Quoi, ce bordel? Y'a qu'un mec. Alors, garde-robe. Allez, why not? Chandail douteux. Chemise cannelle. Non, chemise en flanelle. Et doudoune. Oula. Oulala. Où les yeux? Sweet à capuche les armes, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh là là. Sweet à capuche requin. Short 2 en 1, ouais. Quoi, ce t-shirt de combat? Ouais, elle est classe comme ça. Ouais, allez, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Ouais, toi j'aime bien comment t'es habillé. Oh la vache! Oh le style! Ouais, elle est classe. Ouais, allez, pourquoi pas. Ah, la fameuse veste de pirate. Ouais, j'ai... Veste en cuir. Veste en jean. Un peu clochard quand même, là. Ouais, pourquoi pas. La ferme est supérieure au jardin. Ah, oui. Je me doute. Mais je me demandais si ça leur conviendrait vu qu'ils voulaient un jardin. Je comprends toujours pas pourquoi tu m'emmerdes. Soigne instantanément les blessures et les traumatismes. Je comprends pas pourquoi j'ai un point d'exclamation là. Qu'est-ce que tu me veux? Super, j'ai payé ça, mais c'est pas elle qu'on a besoin. Oui, bah elle dort, elle, c'est tout, quoi. Ou t'as une 22, toi, mais... Elle est pas en forme, ta 22. Objectif personnel, ouais, bon, on va peut-être aller fouiller un petit peu. Ah oui, j'ai mon... Je peux réparer mes armes. Chouette, chouette, chouette. Je peux réparer. Coûte cher, hein. Ouah, la vache. Oh, cette saloperie, comment elle coûte cher. 45 balles. C'est moi ou t'as pas de sac 8 places? Pas de sac 8 places, ma belle. Pas de sac 8 places. Ah ouais, ça te va bien celui-là. Ouais, ça te va bien. Bon, moi j'ai de la place, hein, j'ai ça. Ah, je débroussailleuse, ouais. Je viens de découvrir avec un salon niveau 3, tu peux améliorer toutes les compétences de tes persos. Les améliorer comment? Ah merde, je peux plus... Ah merde, je peux plus aller voir, j'avais vu le salon là, mais j'ai pas le temps de regarder tout à l'heure. Ah, il m'a pas téléporté mon véhicule! Bâtard! Am I imagining things or is this a great spot for an outpost? Ça a l'air idéal pour un avant-poste.
Tu habites juste en face de la rue et ça te semble idéal pour un avant-poste. Je vais me débrouiller sans toi si tu veux pour les idées. Hein. Sac de ressources. Ah bah si, il est là mon camion. Ah, vous m'avez fait flipper. Pas ça les mecs. Yikes, too loud. Combien en plus c'est les ressources qu'il me fallait. Faire le plein des véhicules. Ah, je voulais le réparer aussi. On va faire le plein. Pas évident, on va aller fouiller quelques maisons et puis on va arrêter là. Ça devrait peut-être faire 3 let's play. Faut que je mette tout en ligne. Il y a du taf. Sans déconner, un mastodonte à côté de chez moi? Ah, vous déconnez là, les mecs. Tiens, bâtard. Faut venir celui-là, hein. Oula, qu'est-ce que c'est que ce centre? Bon, bah on va te réparer, hein. Ouais, t'aurais pu me le mettre sur le chat, hein, ça aurait été mieux. Des ressources. Alors. Nothing good here. Quoi, c'est là-bas? Ah bah la station électrique. Ah, elle est fouillée, d'accord. Par contre, je pense que je peux en faire un avant-poste, mais vu que j'ai un générateur... Might be some good stuff to find here. De l'essence. What? Oh la vache. This is a lot of stuff to carry. We're about to be in a lot of trouble. De la santé, allez, des ressources partout. Fermé. Mais je suis déjà en train de frapper, tu peux pas m'avoir. Encore un kit de réparation, pas mal, mais... No can do.
y est, c'est fouillé. I don't have room for that. Looks like a Z-free zone. Pas de zombies ici. Je peux pas le virer mon générateur. Ça a pas l'air riche en ressources là-dedans. Alors, une caisse à outils dans une caisse à outils. C'est étonnant. Allez, c'est fouillé. Là, je crois que je peux y prendre. Je vais te soigner. Hop. Ouais. Il a pas un bruit super sympa, le Scar. Il est où le gros sac là? Va falloir que je le bute, Jean. Là. Pas bien loin de chez nous. Pourquoi hein. Je peux pas y transférer? Je suis pas assez loin. Voilà. Hey neighbor, we found a location for our clinic, but the zombie situation is out of control. Can you help us out? Non, pas tout de suite, j'ai pas envie de t'aider en fait. Non, j'ai pas envie. Ah merde.